Salut à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Sky Factory. On se retrouve dans la salle de TP, mais pas parce que nous allons dans une autre dimension, mais juste pour vous montrer ceci, le Travel Onshore. Parce que évidemment, j'ai fait plusieurs choses hors caméra et je vais vous montrer tout ça. Alors, les Travel Onshore, je sais pas si vous vous souvenez, mais au début de la série, on a trouvé des Staff of Traveling et ce qui nous permet en fait de nous téléporter. Regardez, j'en ai positionné plusieurs sur l'île. Et ça permet de nous téléporter dans différents endroits. Voilà. Hop. Donc ici, comme vous pouvez le voir, j'ai aménagé la serre pour en faire quelque chose d'automatique, d'avoir un peu de ressources. Et j'ai fait en sorte, puisque pour... Bah, attendez, on va voir ça. Hop. Pour le stockage d'objets, voilà, vous voyez que ici j'ai fait un petit mot de passe pour entrer dans la salle des coffres, donc on va dire 5 secondes et le mot de passe, hop, tac, la porte s'ouvre et nous voilà dans la zone de stockage. Donc ici j'ai aménagé, mais tout ça va être caché, hein, on va pas le voir. Et ici, bah, j'ai mis des ME contrôleurs, plusieurs ME contrôleurs attachés pour pouvoir contrôler les ME drive. Et j'ai fait un ME security terminal pour pouvoir faire marcher en fait le wireless access port. Parce que une fois qu'on a le security terminal, on pose le wireless terminal ici et ça, voilà, ça nous Nous, hein. Ça synchronise le un wireless terminal avec tout le stockage. Et à partir de ça, ben, on peut accéder au stockage n'importe où sur l'île. Hop, voilà, comme vous pouvez le voir. Et en fait, eh bien, j'ai mis tout ça pour pouvoir avoir plusieurs stockages. Et comme c'est très long à farm, j'ai automatisé tout ça pour donner du ME storage, donc du 64K. Alors comme vous pouvez le voir ici, eh bien tout ça est relié à Magical Crops qui ici craft du Certus Quartz pour ensuite le compresser avec le SAG 1000. Bon, ça donne que du Certus Quartz, hein, évidemment, mais j'ai aussi utilisé l'automatique sieve afin que le sable se sieve en fait, hein, automatiquement, et fasse tout ça. Bon, et j'ai pas besoin de tout ça, donc tout ça, plus tard je le jetterai. Je ferai même une poubelle automatique, hein, on verra. Celui-là, le sable se transforme aussi en verre pour pouvoir faire du quartz glace. Le quartz glace qui va directement hop 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 ici. Donc, dans. Pas ici. Voilà, ici. Donc, celui-là, ici, il y a le Certus Quartz, la Redstone et le Logic Processor que j'ai craft à la main. J'en ai craft plusieurs, j'ai mis dans les coffres. Voilà. Hop, ça va ici, ça crée le 1K. Le 1K se transfère ici avec de la Redstone, le Quartz Glass qui est fabriqué ici. Pour ensuite faire le 4K qui se transfère directement ici avec la glowstone aussi fait automatiquement. Le quartz glace pareil. Et ici le 16K pour faire enfin le 60K. Voilà. Bon, tout ça c'est vite fait. Ici j'ai fait un crafter de nourriture pour pouvoir faire fondre de la nourriture. Et comme ça j'ai éliminé les nuisibles parce que... tous les poulets, hein, et comment ça commençait à faire beaucoup, j'en avais marre, j'en avais un peu ras-le-cul. Cette machine, en plus, elle ne fonctionne pas. Elle bug une fois sur deux et c'est très chiant. Et évidemment, alors hop, bon, on se téléporte, on n'a pas besoin, mais le wireless, ici, hop, non, pas 5G, 5, hop, voilà le mot de passe. Ici, nous avons. Voilà, le wireless qui lui utilise, comme vous pouvez le voir, grâce à l'update wireless booster, hein, qu'on peut stacker.
33, c'est déjà bien, mais plus on en met, voilà, plus ça utilise de RF. Donc 416, c'est énorme, puisque Big Reactor utilise à peu près. Hop, raté. Voilà, Big Reactor utilise. Fabrique 600 par seconde. Et l'autre, ça en utilise 500, donc plus la ferme, ça utilise énormément. Alors, j'ai fait un gros trou pour pouvoir faire les turbines qui vont me multiplier la production d'énergie. Ah oui, j'ai fait aussi le wireless chargeur. En fait, lui, il me permet d'automatiser le chargement des objets comme le Strafe of Traveling et le wireless terminal. Donc on va faire ici la turbine, j'ai déjà mis ici pour le pattern, à côté du Big Reactor qui me servira en fait plus d'énergie, il ne va plus créer d'énergie, il va créer quelque chose qu'on appelle de la vapeur, oui quelque chose qu'on appelle de la vapeur évidemment, hein. Vous ne savez pas ce que c'est la vapeur parce que c'est pas français et ça n'existe pas dans le monde réel, pas du tout. Et donc cette vapeur va être transférée dans... la turbine qui va créer de l'énergie. Alors pour ça, je vais avoir besoin, voilà, Big Reactor, de turbine housing. Alors j'ai le wireless, mais j'ai quand même fait ici, j'ai quand même relié une crafting terminal parce que le wireless, comme vous pouvez le voir, on ne peut pas crafter avec et le crafting terminal, c'est quand même vachement pratique. Alors, hop, on va créer donc... Le turbine housing, on va en faire plusieurs. Donc comme vous pouvez le voir ici, hop, ça prend directement du terminal. On va en faire, un stack déjà pour l'instant. Ensuite, on va faire peut-être un peu de turbine glace aussi. C'est comme Big Reactor, hein, en fait, c'est comme la première machine. Voilà. Je vais en faire plusieurs, voilà. C'est très long, je ne sais pas pourquoi. Bon allez, 21, ça ne suffira pas du tout, hein, mais on verra plus tard. Ah, du coup, les hop. Turbine, voilà, je les récupère. On va faire l'armature ici. Hop. Donc, ça sera 7 sur 16. Hein. Donc 7 de largeur et 16 de longueur. 16 étant le maximum. Largeur, je ne suis pas sûr, mais je pense que c'est le maximum aussi. Hop, on fait l'armature. Et vous voyez que ça utilise déjà beaucoup de turbine casing. Et j'en ai eu pile poil assez pour faire le bas de l'armature. Mais il va me falloir beaucoup plus. Donc hop, hop, voilà, on va en faire... 3 stacks, ça devrait être bon. Là, pareil, on va faire 7 de hauteur. Donc, c'est à la même taille que l'autre. Hein. Voilà, c'est la même taille. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Hop. Aïe. Non. J'ai pas de pioche. Il me faut une pioche. Parce que j'ai fait une connerie. Et une connerie, ça se répare avec une pioche. Donc voilà, j'ai une pioche ici, c'est très bien. Voilà. Alors, on continue. L'armature, tranquille. Hein. Pouf. Aïe, 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 aïe. Pourquoi ça lag ou coup, c'est moi? Eh oh! Ça ne doit pas laguer, là. Voilà. Tac, 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 tac. Mais arrête! Hop, hop. Et voilà. Donc on a fait un côté, c'est très bien, c'est très cool. Évidemment, ça ne suffira pas parce que je vais devoir boucher après tout ça. Bon, c'est le même principe, hein, il n'y a pas de souci. Je vous retrouve quand j'ai fini. Oh, quand j'ai fini. Re tout le monde. Et voilà, l'armature est terminée. Et comme je suis un pénis, ben, j'avais oublié de vous montrer comment on fait les turbine housing. Donc, hein, tout simplement, du cyanite, du graphite, du nether et de l'aluminium. Le graphite, c'est du charbon fondu et le cyanite, c'est les déchets que nous procure Big Reactor. Donc là, j'en ai un, mais j'en avais plein d'autres
à côté. Donc on va continuer. Après l'armature, en fait, on va avoir besoin de turbines contrôleurs, de turbines PowerPort, turbines fluides aussi, de turbines rotor, et tout ça, on va voir. Mais d'abord, on va commencer par le turbine rotor qui va se faire avec des turbines housing, du diamant et des turbines rotor shaft. Alors les turbines rotor shaft, c'est du cyanide, de l'aluminium. Donc c'est relativement facile à faire tout ça. Et on va s'en faire plusieurs. Alors on avait dit hop turbine. Donc ça, hop. On va s'en faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16, j'ai dit. Donc ça. Ensuite, hop. On a tout, on a notre turbine, donc avec du diamant, hein, tranquille. Hop, 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 ça c'est fait, on va aller le poser. Donc on va le poser au fond. Alors il se trouve que les turbines, c'est relativement compliqué en fait. Donc je vais essayer d'expliquer au mieux, mais ça va être très très compliqué, sachant que je ne m'y connais pas plus que ça non plus. Donc le turbine rotor bearing, en fait, c'est le moteur de la turbine. Grâce aux turbines rotor, donc eux, c'est l'armature de la turbine, regardez, hop, hop, hop. On va aller jusqu'au bout. Voilà. Bon, là, vous allez me dire, ouais, c'est cool, mais qu'est-ce que ça fait? C'est une tige? Non, en fait, il faut rajouter des palmes. Et ces palmes, c'est les turbines rotor blade qui se font avec du cyanite. Et oui, il faut masse cyanite, hein, vraiment beaucoup de cyanite. C'est pour ça que commencer avec un big reactor normal, c'est nécessaire. Il m'en reste encore, ça va. Je suis tranquille. Et là, on va en faire, je ne sais pas. Allez, on va en faire 64 pour l'instant et on verra s'il m'en manque ou pas. Ce qui est fort possible, hein. On va aller les placer. Pour l'instant, je les place au pif, mais il se trouve qu'il y a une façon de les placer. Enfin, je les place pas au pif, hein. Je les place vraiment comme il faut qu'ils soient pas placés. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a un nombre nécessaire. Vous pouvez pas en placer 64 ou 80 comme vous voulez. Non, il y a un nombre nécessaire à placer, sinon la turbine ou n'avance pas parce qu'elle est trop lourde, ou avance trop rapidement parce qu'elle est trop légère. Or, il se trouve que là, avec la taille de notre big reactor, en fait, ça va être beaucoup trop léger et on ne peut pas faire plus, donc de toute façon, ça ne changera. Mais c'est pas grave, ça va quand même marcher, ça va quand même fournir une quantité d'énergie phénoménale. Et ça, je me suis trompé de. Non, c'est pas comme ça qu'il faut les mettre. Qu'est-ce que tu fais? Ah! Voilà. Donc là, on place tout le long, comme ça. Et on va s'arrêter à 1, 2, 3 ici, voilà. On en place encore un. On fait pareil en dessous. Voilà. Hop. Très bien comme ça. Encore hop. 2. Voilà. On fait pareil au-dessus. Bon, je sais pas pourquoi il est blanc. Normalement, il est gris, mais bon, très bien. Blanc, c'est beau aussi, hein. Ça va sûrement changer avec l'animation. Et il m'en manque déjà, vous voyez. Donc, il m'en manque 30, une trentaine. Il doit m'en manquer. Hop. Hop. Du coup, je vais en refaire 77. Ah, j'ai plus d'aluminium. Très bien. Très bien, très bien. Bon, on va faire avec. Je rajouterai des pales plus tard. Tant pis. Déjà, c'est déjà très bien et ça va marcher, vous allez voir. Hop, hop, et hop, voilà. Donc il va m'en manquer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, il m'en manque pas beaucoup, hein, il m'en manque juste 7. Tiens, il me manque une glace, elle est passée où? Je ne sais pas. C'est pas grave, je dois en avoir d'autres, il me semble que j'en ai fait en trop. Alors une fois qu'on a placé ça, il va falloir placer en fait... Du platinium. Enfin,
Vous n'êtes pas obligé de placer du platinium. Il y a plusieurs matériaux que vous pouvez utiliser. Moi, j'utilise le platinium parce que c'est relativement puissant. Et comment ça s'écrit? Platinum plutôt, non? C'est ça? Ouais, mais non, c'est là que je veux l'écrire. Oh! N'importe quoi. Voilà, j'en ai pas mal. Et voilà. En fait, c'est pour faire du shiny bloc. Donc, c'est un bloc brillant. Voilà, cool. Hop. 64, c'est très bien. De toute façon, on peut le remettre, donc il n'y a pas de souci. Et en fait, ces shiny blocs, on va les positionner ici comme ça, de cette façon, pour en faire une bobine. Une bobine qui va, en fait, grâce à la rotation des turbines, ainsi que la vapeur, va créer de l'énergie. Donc c'est grâce à ça que ça va qui va créer de l'énergie. Alors, il faut savoir que ces blocs ralentissent la turbine, mais créent de l'énergie. Donc si vous avez si vous avez des pales qui vont trop vite. Ah merde, je suis bloqué. Si vous avez des pales qui tournent trop vite. What? Ça me l'a pas donné? Eh bien, tout simplement, rajouter de la bobine et puis ça ralentira et ça créera même plus d'énergie. Donc c'est tout bénef. Voilà. Je vous montrerai si j'en rajoute, si j'en enlève là, que je les mets là et que je les rajoute. Vous verrez que ça ira même mieux. Alors, maintenant on a fini tout ça, hein, donc c'est très bien. Il va falloir en fait changer, modifier la structure du réacteur. Et pour ça, on va avoir besoin en fait de coulant de porte. Donc vous allez voir, hop, coulant de porte. Voilà. Qui se fait très facilement, des réacteurs casing, un bucket, des pistons, moi j'ai tout ça, donc ça va aller vite, hop, hop, il va m'en falloir 1, 2 et peut-être 3, 3, oui je crois que c'est 3, et c'est tant mieux parce que c'est tout ce que j'avais, voilà, on va en placer un ici. Voilà. Alors ça fait le bordel, c'est normal, c'est pas grave. On va en placer un autre de l'autre côté. Bien sûr, tout ça, je mettrai en bas. Là, il n'y a pas de souci, c'est juste le temps de la démonstration. Voilà. Et celui-là, on va aussi le placer. Bon, je vais le placer peut-être juste au-dessus. Ah, je vais le placer là. Voilà, il est très bien ici. Voilà. Alors, à quoi vont servir ces coulants de porte? Celui-là, tout simplement, va servir en fait à mettre de l'eau dans le réacteur. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a sur l'interface des nouveaux trucs qui sont apparus. Le coulant de fluid tank, le hot fluid tank et ici, le hot fluid output. L'énergie diminue parce que le réacteur ne crée plus d'énergie. Bon, là, il est en offline d'ailleurs. Ici, on va devoir rajouter de l'eau. Ça va remplir donc le coulant de fluid tank et ça va créer, en fait, le réacteur va créer du steam, donc de la vapeur. Voilà. Alors pour ça, on va devoir créer une source d'eau. Alors vous n'êtes pas obligé, il y a plusieurs façons de faire. Moi, je vais faire comme ça parce que c'est la meilleure, je trouve. Tiens, ce serait cool que j'ai un peu de bloc. Tac, 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 tac. Oui, bon, c'est très bien ça pour l'instant. Voilà. Qu'on va poser en dessous. Hop. Voilà. Là. Évidemment, je ne peux plus passer par là, donc il faut que je remonte. Tac, tac, tac. On va mettre de l'eau. Pour ça, il va falloir chercher de l'eau, hein, évidemment, parce que sinon, je ne peux pas mettre de l'eau. Si je n'ai pas d'eau, la logique. Hop, hop, hop. Alors, on met de l'eau. J'essaye de réfléchir en même temps à comment vous présenter tout ça parce que c'est vraiment compliqué. Voilà.
Je vais bloquer ici pour l'instant, mais je vais le casser, vous allez voir. On va avoir besoin de... Raté. Hein? Alors, c'était... Comment ça s'appelle? Je ne me rappelle plus. Je vais voir. Je dois en avoir d'ailleurs, tiens. Hop. Je sais pas si j'en ai ou pas. On va avoir besoin de... Ah oui, attendez, bah voilà. De transfert node raté. Des transferts node donc liquides qui sont relativement faciles à faire. Hop. Je vais juste avoir besoin d'un seul, donc un bloc, ouais, c'est très bien. Ça ne me le fait pas, pourquoi? Qu'est-ce que... Ah bah oui, je me suis trompé. Hop. Hop. Voilà. On a notre transfert node. Hop. Et on va avoir besoin des pipes que j'ai déjà normalement. Voilà. Il m'en restait. C'est très bien. On va poser la transfert node ici. On va casser ça. Mettre une source. Et vous, bon, ici, donc, nous avons notre source. Si on clique sur la transfert node, vous voyez qu'il ne se passe rien. Et c'est tout à fait normal puisqu'il nous faut une... hop. World Interaction. Voilà. Et évidemment, je n'ai pas de pioche de fer. Donc on va en faire une. Voilà. Tac, tac, tac. Hop. Et nous avons notre World Interaction qu'on va poser tranquillement ici. Voilà. Et vous voyez que ici, bah, il se charge en eau. Donc 8000 millibuckets de water. On va ensuite, hop, mettre nos transfer pipes pour le relier à Big Reactor. Voilà. Et on va voir. Hop, ici, il se charge en eau, c'est nickel, c'est parfait, c'est magnifique. Ensuite, attendez, si j'active... Voilà, 1900. Bon, si j'active, vous voyez qu'il a utilisé l'eau pour faire de la steam, donc de la vapeur. Et 1900 millibuckets par seconde, ce qui est pas mal, hein. C'est vraiment beaucoup. Et ça tombe bien parce que le maximum dans des turbines, c'est 2000. Donc, bah, on n'est pas loin du maximum. C'est ce qui est cool. Et donc ensuite, on va devoir transférer en fait les réacteurs coulants de porte dans la turbine glace. Et pour ça, il va me falloir encore, hop, Big Reactor. Il va me falloir des coulants de porte, mais enfin des turbines fluides porte, voilà. Donc ce qui se fait à peu près pareil, mais avec des turbines housing au lieu des réacteurs casing. Hop, on va en faire fluide, fluide, voilà. On va en faire deux. Qu'est-ce qui me manque? L'aluminium, c'est ça? Il me manque de l'aluminium. Je vais chercher ça. Hop, on en fait deux. Hop, voilà. On va les placer ici. Tac et tac. Voilà. Alors ici, en fait, ce réacteur coulant de porte va nous permettre d'envoyer le steam, donc la vapeur, dans le turbine. Alors pour ça, il faut que ici, ce soit en voilà, extract et ici en insert. Et celui-là, en fait, la turbine va utiliser la vapeur et la vapeur va se condenser et former de l'eau que je vais ramener dans le Big Reactor, histoire que ce soit un peu, qu'il y ait un peu plus d'eau. Mais bon, il n'y a pas vraiment besoin. Alors pour ça, on met en extract, ici on insère, et c'est parfait. Il va nous falloir des fluid ducts. Tac, fluide. J'en ai pas mal, c'est très bien, ça suffit largement, puisque de toute façon, ils sont côte à côte, donc ça ne va même pas trop gêner. Évidemment, tout ça, ça sera en dessous de la map, donc ça ne se verra même pas. Pour l'instant, c'est juste pour la démo. Tac, tac, tac. On coupe les fils ici parce que ça ne sert à rien. Voilà.
Voilà. Donc, ici, on met en extract 100 redstone, ici, on insère. Ici, on met en extract 100 redstone et ici, on insère. Voilà. Alors, pour l'instant, ça ne va rien faire parce que, évidemment, le réacteur casing n'est pas, le réacteur turbine n'est pas fini encore. Cela dit, non, il va me falloir quelque chose d'autre. Il va me falloir donc, bah, comme le Big Reactor, un turbine contrôleur qui est très très important, puisque c'est lui qui va permettre à la machine de fonctionner. Et pour ça, il va me falloir du plutonium. Mais le plutonium, je n'en ai pas. Et en fait, il se fabrique à partir du cyanite. Voilà. Grâce à un cyanite reprocesseur, donc deux cyanites est égal à un plutonium. Hop. Alors, on va faire le cyanite reprocesseur. Qui se trouve, c'est pas ça. Qui se trouve être, c'est ça. Hein. Voilà. Donc il va me falloir des réacteurs casing, un yellowrium, et je sais pas si j'en ai assez. Oui, je n'ai pas assez. Voilà. Alors, hop, on va faire yellowrium, je dois avoir assez. Voilà, j'ai ce qu'il faut. Là, les réacteurs casing ratés. Hop. J'ai ce qu'il faut. Et là, j'ai ce qu'il faut. Voilà, nous avons notre cyanite reprocessor. On va le mettre ici. Bah ici, c'est très bien. Alors, vous voyez qu'il a besoin d'énergie, hein, évidemment, parce que c'est une machine. Et toute machine a besoin d'énergie. Bon, je fais tomber tous les cailloux, c'est pas très grave. Alors, bah, évidemment, il va me falloir des fils que je n'ai pas. Bah, voyons, alors, il faut prendre des fils. Hop, énergie. Voilà, je prends ça. Hop. Au moins, c'est plus le bordel dans mon inventaire, c'est très bien. Donc, on va là, comme ça, voilà. Du coup, ça gâche tout parce que je dois passer par en dessous. C'est très chiant. Très relou. Hop, hop, hop. Hop, voilà. On passe là et normalement c'est branché. C'est très dur de rentrer dans ce trou là. Allez, on rentre comme papa dans maman là. Voilà. Alors, ici c'est il y a de l'énergie, mais il manque quelque chose comme de l'eau. Parce que le cyanide reprocessor en fait fonctionne avec de l'eau. Et donc, bah, on a de l'eau à côté, donc pourquoi s'en priver, hein, moi j'ai envie de dire. Après, évidemment, ce n'est pas la seule façon. Vous pouvez très bien utiliser les Aqueous Generator. Hop. Et comme, non, comme ça. Non plus, comme ça plutôt. Ah! Voilà. Les Aqueous Generator qui se font avec des machine frame. Enfin, c'est très, très, très. Très très chiant à faire. Du coup, vaut mieux faire ça. Moi, je trouve que c'est plus pratique. Je sais même pas si ça marche, hein, très franchement. Mais bon, on va essayer. Ça devrait marcher. Je vois pas pourquoi ça marcherait pas. Alors, hop, hop, hop. Voilà. Ça ne se remplit pas d'eau parce qu'il faut le configurer. Donc, on va dire que, hop, voilà. Ça remplit d'eau. Ben, c'est parfait. Ça marche très bien. Donc, en bleu, c'est ce côté. Ici, c'est en rouge. Et ça, c'est en vert. Là, vous configurez comme vous voulez. Ici, il y a, si je, si par exemple, alors on va le vider. Si par exemple je fais ça, raté. Si je fais ça, que je mets un coffre dessus, tout ce qu'il y a ici va se transférer directement dans le coffre, etc. Bon, bref, vous avez compris le système, hein, c'est pas bien compliqué. On va mettre du cyanite. Je sais pas si j'en ai besoin de beaucoup. Bah, j'ai beaucoup de cyanite, donc on va en mettre 64. Ça suffira. Hop. Alors c'est très long par contre, hein. Évidemment c'est très long. Et deux cyanites ne fait qu'un seul plutonium. Hop, raté. On retourne sur Big Reactor. Et donc on nous a, il en fallait combien? Deux je crois. Deux ici. Zéro là. Voilà, parfait. Juste deux.
Ok, il nous en faut juste deux, donc hop, 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 on va les enlever, ça sert à rien d'en faire autant. Il me semble que le plutonium, en fait, non, je vais les garder. Remarque, on s'en fout. Le plutonium sert à, en fait, on peut remettre le plutonium dans Big Reactor afin que, à la place du yellorium, en fait, le plutonium sert d'énergie au même titre que le yellorium, donc ça peut faire aussi une chaîne comme ça, hop. Le yellorium crée de l'énergie, ça crée du cyanite qui va directement dans le cyanide processeur pour faire du plutonium qui va dans le Big Reactor qui recrée du cyanite, etc. etc. Et c'est très. Voilà, ça fait très le rond et ça fait très la gerbille. Voilà, bref. donc, on en était où? On en était où? Parce que j'ai dit plein de conneries, mais du coup, je suis perdu. Voilà, on a notre turbine contrôleur, c'est parfait. Il va nous falloir ça aussi, on va le faire de suite, tant qu'à faire. Hop. Alors, celui-là, on va le faire ici. Non, bah, tant qu'à faire, on va le faire par là plutôt. Pourquoi se faire chier? Hop, turbine contrôleur. Celui-là, je vais le garder, je vais pas le placer, il n'y a pas besoin, hein, vous le placez, et puis ça fait. Vous mettez des films. Des fils directement vers le générateur ici, le capacitor bank. Comme ça charge, c'est. Bon, il n'y a rien de compliqué. Donc, pas besoin de le faire. Étant donné que je vais tout faire vers le bas pour plus d'esthétique. What? Non, je ne veux pas faire ça. On va fermer ça. Et il me manque une turbine. Il y en a là. Réacteur glace. C'est pas du tout ça que je veux. Attends, j'ai cassé des turbines et j'en ai pas. Bon, c'est pas très grave, j'en ai là. Hop, turbine. Voilà. J'ai ce qu'il faut. On ferme là. Et voilà, ça a changé de texture. Ça veut dire que ça, que tout est bon. Hein, voilà. Donc ici, il ne fonctionne pas, ce qui est tout à fait normal. Alors, qu'est-ce que vous avez ici? Alors, vous avez ici. Le rotor speed, donc la vitesse de tour, dont le mieux est de 900 à 1800 rotors par minute, hein, RPM. Ici, vous avez l'énergie que ça crée. Et ici, vous avez le rotor efficiency, donc l'efficacité des rotors. Et on va voir ça plus tard. Ici, vous avez l'induction coil. Donc en fait, c'est si oui ou non. La bobine va créer de l'énergie. Alors évidemment qu'on va dire oui, ça ne sert à rien de dire non, hein. Ici, vous avez vent Hall exhaust qui permet d'extraire la condensation d'eau vers le réacteur, l'autre réacteur. Donc ça, bon, bah, ça c'est juste l'excès, mais on s'en fout un peu. Ça, c'est pour dire non, ça n'envoie pas l'eau. Et voilà. Et ici, c'est pour gérer le maximum de steam qu'on va envoyer. Alors, on va activer et on va voir un peu ce que ça fait. Alors, comme vous pouvez le voir, voilà, ça fait un peu une animation assez jolie avec des particules de vapeur. C'est très très joli. Et ça va tourner de plus en plus vite, hein. Bah, regardez, vous allez voir ça. Hop, 39, 40, ça monte, ça monte, ça monte. Ici, ça fait de l'eau. Et ici, ça envoie du steam. Mais ça n'en envoie pas beaucoup. Et ça crée de l'énergie, alors que si je coupe l'induction coil, voilà, ça ne crée pas d'énergie. Donc, vous voyez que ici, ça ne remplit pas le steam à fond, hein. Et c'est tout simplement parce que, ben, je ne sais pas, parce que normalement, le water est censé être au plus bas. Bon, ok, qu'est-ce qui se passe? Quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Hein? Pourquoi tu dis ça? Bon, on va diminuer ça. Voilà. Donc là, ici, le steam, ça fonctionne. On va monter. Raté. On va monter de sorte à ce qu'il y ait toujours du steam. Voilà, là, il y a toujours du steam. C'est très bien. Hop, on monte. Et là, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Et là, il y en a. Voilà.
Bon, pour l'instant, c'est bon, ça a l'air de fonctionner. Hop. Là, il y a toujours de l'eau, ce qui n'est pas normal. Mais bon, tant mieux. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc là, ça continue de monter, c'est tout à fait normal. Vous voyez déjà que nous sommes au même RF que produisait le réacteur, alors que pour l'instant, bah, on n'a pas, ça n'a pas commencé encore. Ça monte toujours, hein, ça continue de monter. Ici, bah, vous voyez qu'il y a 81 blades sur 36, et ça, bah, ça va augmenter en fait en fonction de comment j'augmente le steam. Vous voyez que ici, maintenant, ça fait 80 sur 40, 80 sur 44. Bon, on va augmenter au maximum. Et je ne comprends pas pourquoi ça utilise. Normalement, ça devrait pas. Il devrait plus y avoir d'eau là. Peut-être un bug graphique. Parce que j'ai fait en sorte en fait que ça ne produise pas assez pour pouvoir vous montrer les speed upgrade. Mais je ne sais pas pourquoi ça marche. Très bien. Bon. On va activer ici, voilà, ça envoie l'eau. Eh bien. Ah, voilà, c'est un petit. C'était un bug graphisme, c'est normal. Tout est calculé d'avance. Voilà. Alors pour ça, en fait, tout simplement, vous allez créer des speed upgrades qui se trouvent être ici. C'est de la redstone et du gold. Hop, j'ai pas de gold nuggets, donc je vais en fabriquer un bon petit paquet. Voilà. Je ne sais plus combien il m'en faut. 3, c'est ça. Hop! Et voilà, on va en faire. Ah merde. Tac, tac, tac. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça ne fonctionne pas là? Arrête de mentir, ça fonctionne, ça marche très bien. Hop, on jette ça, ça on met là et on va refaire. Tac, tac. Voilà, 64. Bon, j'en ai pas besoin de plus, ça suffit. On va poser les 64 ici et voilà. Et vous voyez que ici maintenant ça va aller beaucoup plus rapidement et ici, eh bien ça ne va pas se remplir. Quoi? Merde. Qu'est-ce que j'ai foiré encore? Vas-y, dis-moi. Ah, parce que, oui, tout simplement, en fait, je sais pourquoi. Parce que bah, maintenant qu'il y a le speed upgrade, en fait, bah, c'est le world interaction qui ne fonctionne pas assez vite. Donc l'eau est transférée assez rapidement, mais le world interaction ne transfère pas assez vite. Donc on va en rajouter world. C'est pas là, c'est là que je veux. World interaction upgrade. Je sais pas combien il va m'en falloir, mais on va en faire plusieurs. Hop, voilà. Tac, 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 on fait le bordel. On pose tout ça. Voilà, merci. Hop, hop. Et nous en avons 25. Bon, c'est déjà pas mal. On va voir si ça suffit ou pas. Donc maintenant, si on pose ça, hop, vous voyez que ça augmente plus vite. Et ici. Ça marche, voilà, ça fonctionne, ça suffit, s'il y en a assez. Et ici, ben, le steam, ça augmente toujours pas parce que je mis à 9, à 2000, alors que je ne peux pas en mettre plus que 1000 en fait. Voilà, ça augmente. Ça augmente tranquillement et ça diminue pas assez vite. Donc c'est très bien. Ici, il n'y a toujours pas d'eau. Et en fait, pour aller plus vite, bah, il faut juste rajouter un autre. Et ça fonctionne, ce que je vais faire. Voilà, donc j'ai rajouté un petit fil en plus. D'ailleurs, c'est très moche comme ça. Hop, 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 et hop. Et vous voyez que ici, bah, ça va augmenter encore plus vite. Mais pour l'instant, il faudrait peut-être déjà activer ça. Voilà, merci. Ça utilise un peu plus d'eau, mais bon, c'est pas grave. Là, je vais pouvoir augmenter ici au maximum. Et vous voyez que ça rajoute quand même 2000 steam. Enfin, ça rajoute assez de steam. Bon, là, c'est un petit, c'est pas. Parce
Est-ce que c'est parce que... Ah oui, ça ne suffisait pas en fait les World Interaction. Il m'en faut plus. Je sais pas combien il m'en faut. On va en refaire, hein, évidemment. Bon, c'est très long, écoutez, c'est la vidéo, c'est comme ça. Voilà, World Interaction. Alors vous pouvez le faire avec les Aquarius aussi, mais c'est très très... Enfin, il en faut beaucoup, voilà. Il faut beaucoup d'Aquarius. Hop. On va en faire... Tac. J'ai plus de bois, t'es sérieux? Et c'est le bois qui va me manquer là. Oh. Heureux tout le monde. Alors voilà, hop là, j'ai mis un stack comme ça, c'est fait. Et là, ça suffit largement puisque vous voyez que ici, ben, ça ne diminue pas. Ici, ça produit toujours du steam. Ici, ça envoie 2000 millibuckets par seconde. Et là, eh ben, ça reçoit pareil, toujours du steam en continu, en continu. L'eau, ça se vide. Donc ça en reçoit hein, du steam, il n'y a pas de souci là-dessus. On va peut-être juste baisser pour vous montrer. Voilà, regardez, ça, si on en enlève un petit peu, hop, ça monte à 2000. Et ici déjà, on est à 5000 RF par seconde, alors que ça continue de grimper, hein, et ça continuera de grimper tant que c'est pas à 1800. Normalement, ça devrait même monter plus chaud que 1800. Je ne sais pas pourquoi ça monte aussi peu. Ici, c'est bouillant, mais c'est normal. Ça travaille en continu. Et ça crée aussi beaucoup de cyanite qui va nous permettre de faire du plutonium, etc., etc. Mais en tout cas, nous avons notre turbine, hein, ça y est. Elle est presque finie. Il manque quelques pales, c'est que j'avais pas assez. Et à pouvoir brancher directement ici. Donc vous voyez que ici ça descend très très rapidement à hein, 600 RF par seconde. Sauf que évidemment, bon, pour l'instant je vais le faire là. Hop, comme ça je vais vous montrer. Tac. Voilà. Hop. 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 Et hop. Et là, normalement, ben, ça va diminuer petit à petit. Voilà, 682 et ça ne diminue pas, ce qui est tout à fait normal puisque la machine vient de redémarrer. 300. Bon, ça devrait normalement monter là. Qu'est-ce qui se passe? Ah, il n'est pas rattaché. Pourquoi il n'est pas rattaché? Voilà, là, il est rattaché. Et voilà, là, vous voyez que à in, il y a beaucoup de RF qui rentrent. Hop, voilà. Out, 100. Voilà, 0. Ça va bientôt être à 0. Allez, on va bientôt être dans une production positive. Allez, allez, oui, nous sommes dans le vert. Oui, pipi, ouais. Enfin voilà, cette vidéo est assez longue, mais bon, les turbines, c'est assez compliqué. Alors, en plus, il y a une histoire de calcul que je ne vous ai pas expliqué parce que pour savoir le nombre de palmes, il faut savoir le nombre en fait. De millibuckets que le contrôleur, le réacteur peut utiliser divisé par 25 et c'est et tout le bordel. Enfin, c'est plein de calculs assez chiants. D'ailleurs, bon, ça va relativement doucement, mais ça va continuer à monter. Je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo. Merci à tous de m'avoir suivi. J'espère que ça vous aura aidé, même si mon explication n'est pas très claire. Hein, je le comprends parce que, bah écoutez, c'est la première fois que je le fais. La prochaine fois que je ferai une turbine, je saurais peut-être un peu mieux expliquer. Merci à tous de m'avoir suivi, en tout cas, bisous à tous, bye bye.